Bienvenue à cette première tournée du CEPOC en visioconférence. Donc, c'est une nouvelle formule cette année. On a bien hâte de voir si vous allez apprécier. Je crois en fait que l'oral, la journée est très intéressante, avoir des très bonnes conférences. Donc, en espérant que la formule... On va comprendre que c'est celle qui obtient les moins bonnes performances. Donc, ici, on doit s'attendre à retrouver un écart qui va être un peu plus grand que ce qu'on a vu précédemment. Au niveau du revenu par brebis, la différence entre le groupe de faim et le groupe de tête, c'est un revenu supplémentaire de 182 $ pour le groupe de tête. Ils ont investi 48 $ de plus au niveau des charges d'exploitation d'enfants, comme tout à l'heure, principalement expliqué par l'alimentation. Différence de marge de 150 $. Donc, on vient de le voir, il y a quand même près de 60 entreprises qui ont participé à ça, deux études, l'alimentation, entre les groupes de moyenne ou les groupes de faible versus les groupes de taille, prend une place importante dans l'augmentation des charges. Je me suis questionné à savoir comment ça se traduisait, cette augmentation des charges-là. À quoi ça a servi concrètement? À partir, encore là, de l'analyse comparative des années du CSCPA, c'est possible de tracer un bilan alimentaire par kilo par jour. On voit qu'au niveau des fourrages, il n'y a pas de différence significative. Et c'est principalement au niveau des grains et des suppléments. On a une augmentation de près de 67 kg par brebis au niveau des grains. La moulée un tout petit peu aussi. Donc, on comprend que c'est principalement au niveau des concentrés que la différence provient. Techniquement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat cette utilisation de concentrés? On voit dans le premier encadré vraiment les performances de prolificité de notre brebis. Et c'est bien beau d'avoir une prolificité, mais encore là, faut-il rendre ces animaux-là à terme? Si on regarde le deuxième encadré, en agneau vendu par brebis par année, 1,19 pour le groupe de faim versus 1,66 pour le groupe de faim. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si je veux m'assurer de rester en production ovine, je vais me sentir beaucoup plus confortable dans la colonne de droite avec 1,66. Constat, une augmentation des concentrés traduit par une augmentation des performances techniques, donc du revenu par brebis. Les données qu'on vient de voir, c'est ce qu'ils viennent de nous démontrer. Si on résume brièvement, le CEPOC, et l'étude du CEPOC et de la Fédération disait « J'ai investi 51 $ de plus dans mon alimentation et je vais avoir 119 $ de plus dans mes poches comparativement à la moyenne. » Le CEPOC, le Centre d'études sur les coûts en production agricole, sensiblement la même chose, 41 $ pour une marge excédentaire de 150. Si on fait une moyenne, c'est plus ou moins 45 $ de plus que j'investis pour 130 $ de plus dans ma poche. Dépenses ou investissements. À partir des données économiques qu'on avait en 2011, pour moi, ça devient assez clair. Mais on sait, 2011, on est en 2016, il y a quand même quelques années qui se sont passées depuis ce temps-là. Les données ont changé aussi, le prix de l'agneau n'est pas le même, le prix des aliments n'est pas le même, le modèle de coût de production qui vient ajuster vos compensations année après année n'est pas le même non plus. Et je me suis posé la question, est-ce qu'en 2016, 2015, est-ce que c'est toujours le cas? J'ai parti d'une hypothèse de base, puis je me suis posé la question avec quelles données j'allais pouvoir travailler. Ça veut travailler avec des données. Par exemple, au moment où j'ai fait ma capture d'écran, nous étions au mois de novembre, 24 novembre exactement. Et bien, au 24 novembre, cette journée-là, il y avait 137 000 contrats qui avaient été négociés depuis l'ouverture de la journée. C'est des contrats, on va dire en tonnes, de 127 tonnes. Ça en fait de la tonne qui se négocie, hein? À ce niveau-là. Fait qu'il y en a du monde. Puis si vous, on voit, on descend encore plus bas, vous allez jusqu'à décembre 2018, on avait déjà 4 contrats de négociés. Fait que ça, là, la bourse à Chicago, là, au niveau des grains, entre autres, c'est une bourse qui a beaucoup de spéculateurs qui sont là. Et à quelque part, c'est ça qui fixe le prix du maïs, mais vous allez voir qu'il y a une influence importante sur les autres grains aussi. Donc, tout ça pour comprendre qu'il y en a beaucoup. Martin, tu peux y aller? L'autre diapo ici, vous avez la bourse à Winnipeg. On a un contrat à la bourse à Winnipeg, un contrat d'or. Donc, cette journée-là, la date, le 6 novembre 2015. Alors, regardez la différence de ce qu'on voyait tantôt. On a 25 contrats qui sont négociés. Fait que là, la différence entre les deux, c'est que ta bourse à Winnipeg, la bourse d'or, c'est qu'elle n'a pas autant de on appelle ça de la volatilité, hein? On n'a pas autant de spéculateurs qui sont là. Fait que la détermination du prix est un petit peu plus difficile. On va voir plus en détail au niveau des chiffres. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du gain,
significativement moins de gains avec une proportion d'ensilage de maïs très élevée, plus de gains pour la ration sans ensilage de maïs. Consommation de matière sèche, c'est la seule étude qu'on voit comme ça, puis je pense que ça dépend du niveau d'humidité. On avait beaucoup moins de consommation et d'élever le nez sur la ration. Ça a été fait au printemps, je ne sais pas si ça chauffait dans la journée, mais beaucoup moins de consommation de matière sèche. En TQS, on a une bonne quantité. Donc, ils mangeaient beaucoup d'eau, comme on croit. Nombre de jours en engraissement, ben là, on a assez un bon écart là, entre 76,1 jours versus 49,3 jours pour sans ensilage de maïs, avec un intermédiaire pour le 25% d'incorporation. Au niveau de la conversion, ben, on voit la différence qui est assez significative. Puis quand on calcule le coût par ration, dans les études, dans les publications qu'ils ont faites en Ontario, c'est $1 la livre, c'est remis $1 du kilo, là, fait que ça change un petit peu, ça a l'air moins important, mais il y a quand même des différences significatives qui étaient là avec une ration qui, à la base, était plus économique.